Il y a des gens partout à travers le monde, na Kinshasa, na Libanda, Mboka, Bana Congo, Mbote. Pe boya bola mu na manaka ya pona Congo ya moko na lelo batata ba mama bilenge bandeko boza na libanda to na kati ya mboka toza elongo boko kiko partager na bayi bazolanda biso na nzela ya ba page na biso pe bayi bazolanda biso na TNT on dirait que Bantenya Congo Buzz Television pouvait justement intervenir na numéro esa affiché na se ya ba écran na bino élection du 20 décembre prochain la centrale électorale passe à la vitesse supérieure en Corée du Sud. Tout est fin prêt pour l'impression de bulletins de vote personnalisés. Patrick Mouya répond à Katumbi après son adresse à la nation. Lorsque vous prétendez devenir président dans ces pays, vous n'êtes pas en mesure de citer nommément l'agresseur qui s'appelle Rwanda. Ça pose un problème pour le Congolais, affirme le porte-parole du gouvernement lors du briefing hier. Liboso Yaba Panzi Sango, Nangambonaye, candidat président de la République, Augustin Matata Ponyo, a Ibibongo tient en place équipe ya campagne naye, l'équipe Moko Ezali Bongo constituée généralement nakati na bango mingi plutôt bazali ba bilenge, et il faut dire que directeur ya campagne naye Ezali Bongo Ndeko Tumbala Moke wazali Bongo économiste pe Moko ya ba intellectuel ya mboka na biso. Organisation 9e jeu de la francophonie, une médaille d'or attribuée au premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. L'obito ebisa kibino que équipe Moko ya ki pona kosala Bongo audit ya Mosolo Boni et Bimaki lors ya organisation 9e jeu de la francophonie et audit wana et Salemi Kasi et Suki Bongote na registre moko kakwana député national Ados Ndombasi adressé question orale avec débat en assemblée nationale pour na Bongo ministre ya finance Nicolas Kazadi en rapport na organisation ya G de la francophonie ou Sam et Jean Makibongo na Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Moutouna Ezali Moko pour justifier dépassement budgétaire ou Salemi na Milulu ou Yango pour ministre des Finances à l'Obaki Mosolo et Seigneur qui est du Mesanaki 48 millions, Peba Saleli 324 millions et loko Oyondeko Oyabandi ko piloté Bongo Mosala Yango Aebi Bongo ko Boya pour Bango Bazwaki Mosolo Malongate Senoye Mosolo et Salaki Bongo 70,7 millions, kasi bango ba suis même Mosolo. Onion sauté, est-ce que toko kende kozo solution kuna nangambo ya Assemblée nationale, c'est la question qui se pose. Mais ce matin, nous allons revenir sur le discours de Moïse Katumbi à la nation. Moi mitune zali kotu na mapola nini atanga ki kombo ya Rwanda te ancien membre ya Union Sacrée, les lois a commis très critique na pouvoir en place. Est-ce que Moïse Katumbi a ko sala mieux une fois élu ndenga zali bon ko kende na maponomi ko talaka ndenge ya kambaka katanga grand katanga pendant 8 ans to rozonga vraiment na histoire pona koyeba sur parcours ya ndeko Moïse Katumbi moko ya ba candidat président de la République. Le Congo change sous Fati ezali moko ya ba phrase ezolo ba mama quitte sur ses réalisations à la tête du pays ou ta abanda ki bongo mandat na ye kenkena na ye oezali bongo kosila déjà pe tozo kende na ma ponomi tolo bela Congo na tongo alelo tozana ndeko Damien Terra Nova moko ya bayi association katumiste azali bongo na biso ki déjà korejan biso sur ce plateau poto beta masolo mayi matali démocratique du Congo ndeko Damien okoki déjà ko pousana poto sola mayi matali mboka Congo mwana mboka mbote pe boye bola Mbote mingi mama Naomi na PCP balane na biso nyonso mbote sika bozwami tozali awa pona kolobela makambo na mboka. Très bien, merci beaucoup Ezamba Liboso toyambi e pa na biso toza bongo na ndeko mbiyanga ndu kasanda jeudi oyazali bon j'ai tout
Oui, Zali Bongo, Moko, Yabai, Action commune pour la République, parti cher Yandeko Eliezer Tamboui, moi, je suis un peu plus Mbote, Madame Naomi, Mbote, Pé Balandi, Mio, sur la RDC, vous allez apprendre à Makambo Mboka. Très bien, Torobanda, Bongo, Nali Solo, Nabiso, Ali Bosso, candidat aux élections de décembre prochain, Moïse Katumbi, Azo critiqué régime, Azali Koloba, Komema. Eloko ya sika nini ya sika Moïse Katumbi ya komema alors que toyebi ndenge ya sala ki mosala na katanga est-ce que azala ki modèle ya gestion yo lokola moko ya bayi o bazali ko soutenir ye soko ko éclairer bana mboka sur cette question. Merci beaucoup madame, merci pour la mutuna na yo nazala ko yebisa na bato na ba congolais nyonso sika bazwami que le meilleur de président qu'ils vont connaître l'année prochaine, ça sera Moïse Katumbi Tshapwe. Naza ko kamwa mingi ndeko Patrick Muya ya tango ala ko tia ko sa ba allégation ya modèle était Moïse Katumbi na discours na ye, il n'a pas mentionné le Rwanda, il n'a pas fait... Mais depuis que eux ont commencé à mentionner l'agression du Rwanda, ça nous a mené où? Et puis, il y a un fait que le Congolais doit savoir, que dans cette agression, nous n'avons pas que le Rwanda. Nous avons l'Ouganda. Alors, lorsque Ndeko Moïse Katumbi fait son speech, il parle des agresseurs de ce pays. Sans citer... Il parle... Non, madame, je vais en venir. Oui. Il dit qu'il y a des forces obscures, internes et externes. Je dis bien internes et externes. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il dise encore? Parce que je viens de vous dire que ici nous n'avons pas que les Rwandais. Dans cette agression, nous avons aussi l'Ouganda. Parce que la prise de Bunagana a été occasionnée par l'Ouganda. Les militaires de M23, ils ont été formés en Ouganda. Et c'est l'Ouganda qui a ouvert la porte à ces militaires pour qu'ils prennent Bunagana. Jusqu'aujourd'hui, ces militaires sont hébergés par l'Ouganda. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement congolais lui-même ne cite pas l'Ouganda? Pourquoi il protège l'Ouganda? Parce que nous savons que l'Ouganda a une partie prenante dans cette agression. Donc, M. Moïse Katumbi a bien parlé en citant les agresseurs étrangers, qui ne sont pas de moindres, bien sûr. Ils nous agressent, c'est vrai, mais la meilleure des questions à laquelle il faut répondre... C'est comment nous, le Congolais, nous devons faire pour que ces agressions cessent, pour que ces gens arrêtent de venir chaque fois nous embêter et tuer chez nous. C'est ça la meilleure question. Et je pense que M. Muyaya, il a perdu l'occasion, hein, comme dirait d'aucuns, de se taire, où il a gaspillé l'argent du peuple, parce que ces journalistes qui ont été là sont payés par le portefeuille. Alors... Je crois que prochainement, il doit être sérieux quand il parle de Moïse Katumbi. Mais ça s'est dit dans l'opinion que Moïse Katumbi a zana ba faire nangamba Rwanda ngwa zo protéger. Mais madame, parce que Azali est vraiment en collaboration na bango une fois élu na mboka na biso et quoi que ça a problème. Madame, omoni makambo oyo tango biso ba congolais tolobaka Rwanda et akapo ebele ba boya à la réalité en face. Rwanda, c'est un pays voisin, comme Brazzaville, Congo-Brazzaville. Ce sont des pays voisins, comme l'Angola, comme l'Ouganda. Donc, ça veut dire qu'un président, le jour qu'il sera, toute personne, à part Moïse Katumbi, le jour qu'il sera président dans ces pays, il cherchera toujours à avoir des bonnes relations avec les pays limitrophes. Donc, si un jour... Moïse Katumbi devenait président, parce qu'il va le devenir en 2024, ça c'est certain, il lui est obligé de faire avec le Rwanda. Et d'ailleurs, je vais vous rappeler, lorsque M. Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir, il a fait la même chose. Kabila était en guerre avec le Rwanda. Mais lui, il a pensé qu'il pouvait arranger la situation avec le Rwanda. Il les avait approchés, selon lui. Il a commencé à faire des affaires avec eux, qui nous ont amené des problèmes aujourd'hui. Donc, madame, je pense que si un jour Moïse Katumbi, parce qu'il le deviendra certainement, l'année prochaine, président de la République, il cherchera à être en bonne cohésion avec tous les pays limitrophes
pour que nous soyons dans les bonnes... Vous niez ici que Katumbi n'a pas des affaires privées, na Rwanda, yangwazaye kobate la... Bon, si c'est privé, ça, il n'y a que lui qui le sait. Je ne suis pas son porte-parole, il faut qu'on le sache. Je ne suis pas son porte-parole, encore moins le porte-parole de son parti politique. Mais, du moins, je soutiens ses actions, hein, les actions de Moïse Katumbi, et je porte Moïse Katumbi comme modèle de la bonne gestion. À cette question, s'il a des affaires privées, lui-même en sait. Je ne peux pas dire ce que je ne sais pas. C'est que pour Nayo, le fait qu'il n'y a jamais qu'autant la combo à Rwanda n'a pas sorti médiatique Nayo, ni qu'on condamné l'agression rwandaise, et Zali et l'autre côté, et Sali et l'autre côté. Non. Azali qu'autant la agresseur, le fait de les nommer, ça ne résout pas le problème. Ce qui résolvera le problème, c'est le fait de reconnaître que ces gens-là sont nos agresseurs. Parce que ce qu'on reconnaît que Kingan et Azali adversaire Nangai, Azali agresseur, à ce moment-là, eux, en tant que pays, ils font bon à ma peau que Nekozongi sa agression. Wana. Le fait de dire Rwanda. Mais écoutez, depuis Mouzé jusqu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi, tous les présidents qui passent citent le Rwanda, mais ça ne change pas. Peut-être que Moïse Katumbi est tenté d'amener un bon vent, un nouveau vent. De ne pas seulement citer le Rwanda, parce qu'il sait que derrière le Rwanda, il n'y a pas que le Rwanda, il y a l'Ouganda. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Nazongela Yomana Mbokan de quoi Union Sacrée. Quelle est la grande différence entre Moïse Katumbi, candidat président, et Félix Tshisekedi, Ezali Bongo, président de la République, et candidat à la propre succession. Il faut toujours apprendre que Moïse Katumbi, le Loisa Challenger Yamaka, c'est face à Félix Tshisekedi. Et quelque part, il y a des gens qui ont le pouvoir. Naomi, na sepeli mingi na question na yo, mais na lingana d'abord na arrangé na bongselo komoko. Tango bandi olobi de kwa enyo sacré. Té, nga biso toza bato enyo sacré té. Oh. Biso na aser toza bato enyo sacré té. Biso na aser toza liba opposant des opposants du chef de l'État. Ah bon? Oui. Biso bato ya ba capable. Tomi benga ba capable. Toza bato ya bah, opposant des opposants du chef de l'État. Na kozwa mutuna otuni ngai ya koloba que Moïse Katumbi soki azui pouvoir akosala malamu koleka papa capable président Félix Tshisekedi. Biso toza génération msusu. Génération wana ya kosala ka ba analyse. Ozosala ba analyse kaka boye que Katumbi akozala meilleur koleka Félix Tshisekedi sur base de quoi? Sur base de quoi? Ngai nakoki ko telema liboso à télévision na lobake o nda koleka o nda koleka o te. Toke na bafé. Bafé ezali boye. Pour na koyé ba que oyo akosala mieux batala ka gestion. Ba indicateur ezali ebele ya kota la que ya kolakisa que Kingandi akoki ko gérer mieux, Kingandi akoki ko gérer pas bien. Tobandi na Katumbi. Na kosepela kokota na babiloko wana mingi te parce que il faut génération oya biso o biso to mibenga ba capable tozo linga ko apporter un changement ya classe politique mais par exemple o tozo ya ba débat télévisé o tozo ka to ya kokuta na nango awa ezaka mingi le kola ba tubazo linga ko instruire population te c'est ko biso ba capable to e pour na ko changer le kwana ce qui il faut na analyser gestion ya Katumbi sur depuis 2007 février 2007. Ti 2015. Ti septembre 2015. Plus 7 mois et 5 jours. Oye Ajeraki. Azali n'a pas point positif. Azali n'a pas point négatif. Nakenda kingai nazolo wa boye nazamu tumoko na fandi na Kishasa pendant très très longtemps. Na umeli mingi pe na katanga. Nakenda kape katanga na monaka. Na moni na ibi katanga ya kala. Katanga ya gestion ya Katumbi na yebi. J'ai vu des routes que Katumbi a construit. J'ai vu Katumbi a sa ki babalabal. Mais est-ce que gestion ya mboka, c'est seulement les routes sociales et zawapi? Social ya Katanga pendant cette période. C'est vrai. Batouba bakoloba na ba télévision. Oh, Katunga abongisi balabala oyo. Et où tchao et tu bandaki kole kate. Et ko sala boy, ko sala boy. Mais babalabala wana, c'est vrai. J'ai vu ça. Mais le quotidien. Katanga, la balance,
commercial, il y a Katanga, ils ont dit. Parce que tu comprends qu'on explique balance commerciale, ils ont dit nin. On sait que Katanga est l'élo et le qui Katanga est l'obisou Moïse Katumbi. Non, Katanga, Moïse Katumbi, Katumbi a fait du surplace. Mais à l'époque, bah, Loba qui est le meilleur gouverneur parmi les gouverneurs Nyons. Sur base de quoi? Sur base de quoi, tu as besoin de l'analyse? Dès que tu as relevé, biso ba jeune et lelo, il faut te comprendre, analyse c'est quoi? Quand on passe déjà comme ça à la télévision pour nous faire l'analyse, il faut que ça nous analyse. Oh, il y a la balle. Oh, il y a le lobby. Ah, allez qui? Allez qui? Ah, tiens qui? Na gauche, ça c'est qui? Soki, ça c'est qui? Non. Tout ça n'a pas indicateur de développement d'un pays. C'est quoi l'indicateur? Un, balance commerciale. Déjà. Balance commerciale, ça veut dire quoi? La différence entre les importations et les exportations. Katumbi avait le cuivre, Katumbi avait malachite, manganèse, cobalt. Qu'est-ce qu'il a fait de ces choses-là? Des places où il faut tout et c'est quoi analyser. Mauvaise gestion, tout ça, le une très mauvaise gestion. Une très mauvaise gestion, ça n'a profité qu'à lui-même, à se rendre riche. Comment ça? Comment est-ce qu'on dit aujourd'hui que Katumbi c'est un millionnaire, milliardaire? Katumbi, c'est un millionnaire, c'est un milliardaire. Il est milliardaire de quoi? Mais il a ses entreprises. Ces entreprises font quoi? Il faut savoir. Quelles sont ces entreprises, les entreprises de Katumbi qui l'ont rendu millionnaire? Si ce n'est ces minéraux. Les minéraux de l'État. Minéraux d'Abisso, Yonde, comme ici, millionnaire. Entreprise ni awa toza na mboka oyo to yebi ke toza na entreprise moko ezo sala soki ni nwana ya Katumbi ezo lesa mboka na biso ou bien ezo sani na importation na exportation balance commerciale ya biloko na ezo mené biso na nini biso ba capable toza na posa ya changement ya classe politique ya batunyo so wana toza na posa ya batwana nyo so wana ba tike la ba capable place ba ye ba ko gérer mboka oyo. Très bien. Merci beaucoup, Mwalamboka. Toza bongo na ndeko Joël Kitengaza na biso moko yaba ndeko ya IDPS, ko région ga biso sur ce plateau na ye to beta masolo ma ye matali République démocratique du Congo. Mwalamboka mbote fe boye bola. Mbote na bandeko bazali, mbote na mwana omi, mbote na ba Congolais so bala na biso. C'est vrai que tout ça, le débat sur Batoté, mais tant qu'on a candidat président de la République, il faut tout lober la combo. Tout ce qui est dans ma ponomie, tout ce qui est dans ma élection, et ça, normal. On a tout lober la combo. Il y a beaucoup de gens qui ont un candidat président, Bazali Bongo 26, mais le haut, tout ce qui est principalement, beaucoup de candidats, Moïse Katumbi, Félix Antoine Tshisekedi, tout ce qui est autant de combo de candidats, tout ce qui est gérant déjà, au bazar, dans la carte d'agérance, mais tu as remarqué que la bande de composition, Ming Bazan, facilité à critiquer, mais bon, bah, Gérard Rapening et Zalaki Nagérance Nabango, Nemoko à Motuna, Ototuni, Mokona, le long de Kozoel Kitenge. Tout ça, la différence entre la personne de Moïse Katumbi et la personne de Félix Tshisekedi, Nawe Talibongo, système Nabango à gérer, et parce que, na opinion, et Zolobama, même Naba, Naba sondage, et Zosa les maquets, juste après, pour le Bélango, mais Baza, Mokwa Bachalanger, il y a Makasi, il y a Félix Tshisekedi, Ndeko, Moïse Katumbi, Lelo. Est-ce qu'il y a une différence entre deux personnes, Wana Obachira, Namboka Lamus? Merci, Maman Naomi. Oui, une très grande différence. Moïse Katumbi, c'est le jour et la nuit. Moïse Katumbi, c'est le seul qui fête et qui a célébré la champagne à travers le monde pour un arrêt de conformité. Le rêve qu'il avait, qu'il soit accepté d'abord comme Congolais. Tshisekedi ne cherche pas à se faire accepter comme Congolais. Et il ne fête pas qu'on l'accepte que Tshisekedi est Congolais. Il n'y a qu'une seule personne que tout le monde a vu qui fête ça. Je ne savais pas combien être Congolais, ça coûterait beaucoup de champagne comme ça. Grande différence. Deuxième différence. Moïse Katumbi a fait la guerre. Tshisekedi vient dans la lutte non violente. Je regarde la caméra, j'ai toujours souligné, soutenu, que celui qui était chargé, achat, d'armes et munitions, c'était Moïse Katumbi pour la FDL. Comment ça? Mais c'est le chinois Zhang. Zhang achetait le bot et les pardessis en caoutchouc qu'on en utilisait.
Et je vous l'ai dit comme quelqu'un qui a été dans le pas de Moussé Laurent Désiré Kabila. Simplement, je pose toujours cette question. Tous les Congolais rappellent, disent non, mais écoute, à un moment, Moïse a Kendaka Zambi, a Kangaka Minere, a Jekamine. Mais réveiller le contexte dans lequel il a fait arrêter ou saisir ses marchandises. Factir, il y a fourniture, il y a arme et munitions qu'il donnait à Moussé. En échange, il lui demande à Pessaya comme gouverneur et à Katanga. Moussé refuse. Celui-ci va dans son pays d'origine, la Zambie. Ah, cette histoire, elle a déjà clos, n'a qu'au conscience. Non, non, non. On ne peut pas revenir sur ça. Madame, madame. Yo Tanga qui a arrêté à cour constitutionnelle et l'arrêt là, la cour s'est prononcée sous la nationalité. Est-ce que la requête même de Noël Tchane était sous la nationalité? C'est un dossier qui reste pendant puisqu'il n'est pas le juge de nationalité, c'est le juge de paix qui doit se prononcer sur celui-là. La requête a été recevable et non fondée. Et en droit, quand on dit qu'elle est non fondée, ça veut dire les éléments d'argument de la saisine n'ont pas convaincu le juge. Mais le juge, ça nécessite pas. Certificat de nationalité, naïe, azali. Na lobby na yo, juge siégé, cour constitutionnelle, siégé, la juge électorale. Pour regarder la régularité, la validité de la candidature. Pas comme juge de famille pour statuer des nationalités. Il ne faut pas faire en 2000 les gens avec des débats qu'on amène dans la place publique où tout le monde, puisqu'ils ont ça la politique, à tant que ça domaine où il va initier, il veut donner un avis. Revenons sur mais là, la, vous parlez avec un juriste. La gestion, Mwanambouka. Gestion à Moïse Katumbi. Bon, gestion à Moïse Katumbi, c'est, il faut. Quand vous parlez de Moïse Katumbi, vous allez vous dans Kabila ou vous allez vous singularité. Je vous ramène très loin dans les racines. Il saisit ces marchandises-là, c'est bien, pour facture, il y a barre, mais il y a munitions, il y a un peu de Moïse. Des débits à exil, il y a Kanda et Namuzo à Kimaka en exil, jusqu'à ce que Katumba Mwaka intervenu pour ramener celui au pays. Azongi se sou Namboka. Un, il a fait la guerre, tu sais qu'il ne l'a jamais fait. Troisième dimension, il y a gestion na Bango. Et que celui-ci a tout appris en gérant. Na gestion a sali 12 ans. Dirigeant la province de Katanga. Na globalité na yango. 12 ans. Puisque j'ai entendu quelqu'un dire 8 ans. Revenez au moins de 2006. Et quand il a tenu son discours, il y a troisième penalty. Ça fait combien d'années? Si Kabila a géré 18 ans, Moïse Katumbi a fait avec lui 12 ans. Il n'y a que 6 ans de Bakoma qui n'a démêlé. Où est la Jekamine? Dans la gestion de 2006. En 2008, la Jekamine avait cessé de produire. Zéro production. Chuté, madame. Et en 2008, celui-ci était gouverneur. Je parle des dossiers que nous avons enquêtés et maîtrisés. Bah, il m'y était pour libérer tout ce qui appartenait à la Jekamine. N'a pas cessé. La Jekamine n'a pas cessé. Troisième dimension. Quand tu l'es devenu gouverneur, quelle a été la nature? Il y a SNCC. Donc, sur le poumon, il y a économie à Katanga, na Kasai. SNCC jusqu'au Maniema. Il fallait détruire ça pour créer à Barileo, à Kuna Matata, ces camions de transport pour ramener les minéraux. C'est le plus mauvais payeur que je n'ai jamais connu. Vous imaginez celui-ci? À Tekeli Nikotrans, il met ses cas. Merci beaucoup. Je vous reviens. C'était la différence. La différence, c'est le jour et la nuit. Vous n'avez pas touché Félix Tshisekedi. Il n'y a pas clean, clean. Félix Tshisekedi. Il n'y a pas à gérer. Il y a peut-être une faille. Il est en train de gérer. C'est à vous de relever les failles. Puisque je ne trouve aucune faille. Ah bon? Exacté. Très bien. Merci. Il est en train de gérer. Et il est là. Il a été élu en 2011 comme député national. Il n'a pas siégé pour les raisons de l'égalité. Et il est là, comme Azako géré, puis à relever des défis dans le moment. Il y a Covid, guerre de l'Est, la guerre des FCC cash dont Moïse Katumbi était toujours dépendant puisque c'est Loko Nabango. Et jusqu'à ce jour, je vous rappelle, le candidat de Kabila, il s'appelle Soriano Nissim, que vous appelez Katumbi Tchapwe. Oh là là. Pour ma part, merci il beaucoup. Demeure étranger
et il restera à vie étranger dans très ce bien. Pays. Très bien. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. Il faut rappeler que vous êtes de l'UDPS et nous parlons de la gérance de l'homme Moïse Katumbi et gérance Yandeko Félix Tshisekedi Moko. Il y a un candidat au président de la République. Ndeko, moi, je suis un peu il y a Lisanga, il y a Ndeko Katumbi. Déjà, candidat Katumbi a sa nouveauté, candidat Katumbi toye biye, candidat Katumbi a gera. Et lelo baotiko la qui s'habille son noir sur blanc, comment est-ce que Azala qui bon ko gérer Malamouté, a géré Katanga officiellement depuis 2007, tito comme la 2011. Et ta atika ki Katanga, Azala qui nini, pour lelo a prétendre qu'on développe mboka kongo. Puisque un soit le cas, azo critiqué Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, madame. Na remercie, na sombeli peboyi malamu ya ndeko. Ndenge ya mati na plateau. Na landake mingi na bilili. Et chaque fois, na apprécie kaye parce que c'est un monsieur intelligent qui, quand il prend parole en public, il dit ce qu'il faut. Et très souvent, à glissaka na ma sentiment personnel quoi mais ici tozo ça la débat liboso ya batu ya lolenge na lolenge dans tango tozali ko sala ba déclaration nous devons en âme et conscience en intellectuel être capable de pondre les contre-vérités de ce que tu dis toi-même d'abord c'est comme ça mais je vais répondre à mes deux amis. Lorsqu'il parle de la gestion de Moïse Katumbi, Nayoki Ndekokuna Lobi, Moïse Ayaki, il a fait l'argent. Mais messieurs, Moïse Katumbi, pour ton information, je suis d'accord avec toi pour les armes. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il a participé. Je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord avec toi sur ce que vous avez dit, Nenge Akangaka Batrak. Ça aussi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et c'est vrai. Toko Samokilité. Mais là, comment on Ndekwa Lobité? Que Moïse n'a pas dit qu'on somme dans Mbongo na yé, bah arme wana, pour na ko sunga mboka, oyo lelo yo, bah kobeta maboko ke, to bengana ki dictateur, Mobutu, biso sikopo, IDP, et puis, tant wabi guerre, il faut nuancer guerre. Il y a une, la guerre armée, il y a aussi une guerre verbale, une guerre, une lutte, que nous avons été, nous autres, dans les premières heures, avec le Fengs, Étienne Tshisekedi. Nous avons lutté contre Mobutu. Nous étions dans la rue à l'époque, nous étions encore jeunes. Nous étions dans ces rues ici de Kinshasa. Nous avons combattu Mobutu. C'était un combat. Parce que les soldats sont là, ils biso là, ils sont 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 guerre. Donc Moïse Katumbi a soutenu cette lutte-là, armée, avec Mzé. Ils allaient sonité, ton dimi en opo, et pourtant, ma fille, ce qui est loyo, tozo ko kene na maponomi, ils allaient pour un dictateur avait été chassé par un certain Laurent Désiré Kabila, oh yé, à tout ito là, waki azala kanaye. Il critique ça, pendant que lui aussi était avec Mouzé. Tout tuana pembeni. Nazongi siko na Moïse Katumbi. Madame, Moïse Katumbi a toujours été millionnaire. Toujours. Kaboul, moi, la Kaboul, vivant, ministre Nabango, a ça la interview en 2001, où il est en train d'énumérer bien ma société, oh, Moïse Katumbi Azaki Nango déjà. 2001. Première société, il avait une minoterie en Zambie. Deuxième société, il avait une poissonnerie en Zambie. Troisième société, il avait une société minière qui exploitait de l'émeraude. Donc, Moutouyandenge Wana, beaucoup qui. Nakamo Akutu Batumsu Tambalo Bakanga, Babet, elles sont la légèreté. Quand il parle de Moïse Katumbi. Ndekwa lobi awa li kamomoko ya mutuya. Biso ba oyo to bilenge lelo. Tozali na patrimoine na biso zali République démocratique du Congo. Donc il faut tout ça là de façon que to protéger République wana na ba valeur. Mais koya ka kolona itando ike ko beta masolo ya lokuta te poka ka yo zali na mutema likundu pona muninga a prospérer na vie. Pourquoi tant de entreprises mais libanda mboka? Justement. À cette époque, oui, justement, à cette époque, ba entreprise zali libanda mboka, mais les loyo to zali na machamba. C'est une entreprise c'est une minorité minoterie. Machamba zali na Congo, il faut ba lo ba yango.
Non seulement ma chambre Zali, Tozali na MCK qui est une société minière, et na Congo. Non seulement wana, bah oyo nyonso bakindaka Lubumbashi. Il y a toute une cité, tout un site qu'on appelle la plage. Et ça patrimoine à Moïse Katumbi. Et belle bato bazo bak e baki ko zo mingi ba intérêt privé que ba intérêt. J'en viens madame. J'en viens madame. Il faut bato ba ye baka que mutu nyonso lelo na kobeta li solo. Ndeko Félix Tshisekedi a koti na pouvoir. Akamati mwana na ye kutu bandeko bazale baleki mwana na ba diplôme. Atie est président et conseiller ya conseil d'administration d'une grande entreprise minière. Mwana wana. Ça veut dire tout simplement quoi? Lorsque vous accédez na place ya na poste de responsabilité, l'homme noir, l'africain, le muntu a toujours voulu se mettre en sécurité et mettre les siens en sécurité. Donc, Moïse Katumbi, quand il a accédé au pouvoir, il est vrai. Et puis, il y a comme ça, il y a raté, madame. Il a informé les Congolais. Tant que Moïse Katumbi a commis gouverneur, les investisseurs qui ont confiance dans le Congo pour investir, Moïse Katumbi a été en Afrique du Sud, à Solo, à Bango, à Bango, à Bango, à Bango, à Bino, à Bango, à Bango, à Ngai na kopesa bino mbongo 50% ya makambu oyo bino bolingi ko sala mutu na mutu selon budget na ye abingai na ko investir na société na je vais mettre on appelle ça ndeko nanga économie sazawa ayebi ke babinga a capital à risque. Moïse Katumbi dit moi de mon argent ya ba million na ngai o dara na ngo déjà je vous donne 50% à chacun. C'est ainsi qu'on a eu une panoplie de gens qui sont venus investir dans le mining au Katanga. Et ils avaient déjà d'office les 50% de Moïse Katumbi. C'est ainsi que, lorsque Moïse est parti du Katanga, toutes ces sociétés ont fermé. Parce que, investissement à Bango, ils ont sous garantie. Nakéine de Kualouba qui m'a kambo NCCA, SNCCA. Merci beaucoup. Nga Aboutan, ils mettent de l'eau au moulin. Où je dois informer. Maman, Moïse Katumbi arrive, la SNCC mousait déjà. SNCC c'est Koufaka, bah oui, bazagi na Katanga, bah moi j'étais là. SNCC c'est Koufaka, oh ezalaka, société il y a classe, hein, un certain monsieur classe, et là Cizarai, Moïse Kouti Cizarai wana, Moïse Perbomi Cizarai wana parce que les blancs là c'était l'ami de Kengo Adondo. Bah Kimi, bah on y a ce bandé, bah y a bien go bandé, bah 20 000 balles wana, bah y a histoire. Moïse Kouti, la société était par terre. C'est à l'initiative de Moïse Katumbi Tchapwe, le fils de Mama Virginie Mwenda, la princesse de Bayeke, que Moïse va initier avec le gouvernement Matata Ponyo. Il y a eu achat de 5 locomotives. Baïma Gizali. Bandekope Baye Biango. Moïse a bongisi rail. C'est grâce à Moïse Katumbi que tous les loubas qui étaient partis au Kassai, bah comment qui kozonga parce que bah tchela qui bango voit ferré wana. Mais écoutez, quand on passe à la télé, tous à la peine abo sembo ya koloba makambo wana parce qu'ils allaient makambo ya solo. Ils allaient makambo ya kobomba na te bili les ali. Bandeko Ndekwalubi, il a parlé sur l'indice macroéconomique. Il a bien parlé sur le panier de la ménagère. Mais ça aussi, je suis à l'aise. C'est à l'époque de Moïse Katumbi qu'un domestique au Katanga a été élevé, son salaire était élevé et obligé à 100 dollars à l'époque. Bissoyo to akana mboka wana. Les domestiques on les payait 50. Soko lingite okeyi. Les domestiques on les payait 30. Soko lingite okeyi. Mais Moïse Katumbi a obligé à toute personne qui employerait une autre le salaire le plus bas, c'était 100 dollars plus un sac de farine. Il y a 50 kilos. Et ça qui 50, mais ce que Yokanina Moutouna Moussala, au copé c'est 25. Donc, c'est un modèle de gestion. Azali, modèle tous azimites, madame. Azali, incomparable été. Azali, incomparable été. Il y a un bisou de l'obique. Tant que tu as un obique, tu as un mouté à Malamou. Il y a un makambo et bongi. Ce qui m'a dit que c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Il faut que tout le monde soit là.
Ndeko na zongi po na consulter madame. Ndeko lobi Moïse Katumbi a fêté parce que la Cour suprême, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt et tout. Mais alobi ngope malamu pe. Il a dit que le juge ne s'est pas prononcé sur la nationalité. Il s'est prononcé sur le contentieux électoral. Donc, si Moïse a pris du champagne, qui est dans son quotidien d'ailleurs, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Champagne pour retenir candidature. Vous ne s'attendez pas à ça. Oui, pour... non. C'est un dingue wana. Soki ok, il n'a pas yaba zouzi. Moutounio, ça t'a souba kangyo pour na nyongo. Tant ok, pas zouzi. Oui, mais qui va conjuger yoti. Bako luka moi, tant m'souza na faille à gauche et à droite. C'est ça, c'est tout à fait logique. Donc, M. Moïse Katumbi a déposé son dossier, qui était bon, en bonne et due forme, mais comme toute autre personne, il était inquiet du développement de ce qui va en découler. Et le besoin reconnaître que court à l'obi mobé kunenge sengeni. Biso ngai indépendante. Ngai personnellement. Ngai na obité que Moïse na obité que mutu mutu tout ngai congolais na l'obi bouyi. Pour moi, je suis duplique. Je suis duplique, pourquoi? Parce que la même cour qui a rejeté la plainte de M. Seth Kikuni, qui s'est plaignait contre M. Moïse Katumbi. Qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi? À cause de non. Juriste Azawana, beaucoup développé Bisso, la culture du non en Afrique. Chez nous, surtout chez nous au Congo. Mais Yaye Bakamati, on a redéveloppé Babouaki Ango. Les mêmes jours, à la même heure, M. Tchani a introduit contre Moïse Katumbi, Bazui Ango. Vous voyez, c'est-à-dire il y a deux poids deux mesures. Il fallait pas bandi mapé ou il y a ceti bah développer et puis bah rendre pays en arrêt. Très bien. Le coup la basali à Moïse Katumbi. Na c'est pas les mingi penate parce que ne konanga ceti article n'a pas ça. Pour la nini justice et pécié occasion t à découvrir qu'est-ce qui était derrière ce changement de nom de M. Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, Maramboka. J'ai tout. Nali Kambetali, Bongo, Maï, Moïse Katumbi. Est-ce qu'un challenger de taille pour Félix Tshisekedi? Est-ce que l'autre écolobe que Félix Tshisekedi n'a union sacrée, Bazali ko banga Bongo, Maramboka, Moïse Katumbi, déjà, Zali ko pèse à fort, même là où est le sondage, Kozalaka. Maman Naomi na otaki koloba sikoyo awa que biso jeunesse il faut toye ba ko sala analyse toyaka na télévision boye pour na kokumisa ka batuté monsieur Damien Ndenga Zali wana auti koloba makambo ebele concernant Katumbi mais est-ce que koki koloba ta moke politique, il y a gestion, il y a province, et ça n'y. Quelle est la politique que Katumbi a mis en place? Ndeke loko oyo, mouto mayele ata la kapona nini, pona koye ba gestion oyo, est-ce qu'a respecta ki? Ou est-ce qu'a kakate neti fiko fiade? A bouge ba la bala, a sa ki boye, a sa bien, a kende ki kosa, a fiti boye, lokomotive komandi ko tamboula. Non! Tozali na politique de développement, politique mise en place, pour que la province ait évolué. Mais quelle est la politique le cola moi na mboka Félix Tshisekedi au moni alobini katumba kenda kakatisaki ko négocier ce qui totangi diplomatie bango ba yebi diplomatie bazolo bakaza kaka masolo ba yebi comment est-ce que diplomatie en fait akaté ce que j'étais diplomate ba investir ba nga ba ya. Au moins, Félix Azobi Maté, Yozomona Batoubasani, Bakomikoya, diplomatie. Diplomatie est ali, science mobimba. Mais sur l'Obama que Félix Tshisekedi a échoué et que Fatik a mboka en 2023. Toujours comment? Ce qui est tolingi, tout ça, l'analyse, il y a gestion, il y a Félix Tshisekedi, comme est capable, puisque Bisho Batoubasani, tout bien, on n'a pas capable, parce que Toyebi, capable Félix Tshisekedi, Nengazali Wan. Tu as la comparaison, analyse sur combien de temps. Parce que tu as un temps, 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 tu as un temps
5 ans. Oui, à gérer 50 ans. Sur base d'un programme. Et à gérer 50 ans. Oui, il faut quand même. Dans le cas où gérer Félix Tshisekedi, à gérer 2 ans. Mais tu as la barre. Dans le cas où on a téléphoné. Ce qui est au Sénat, avant la réalisation, on a lancé en gros. Dans 2 ans, ce que ce monsieur a fait sur le plan diplomatie, sur le plan infrastructure, sur le plan sécuritaire. Dans moins de 2 ans, nous avons plus de 60 000 militaires. Vous confirmez que les Congos changent sous Félix Tshisekedi, mais quid sur la vie sociale de la population? La population est là. La situation est changée. Vous savez ou bien je vous l'apprends que dans 2 ans, Tshisekedi est en train de mettre des bases. Sans pour autant que ça l'a ricoché, il fallait maintenant répondre quand même à Makambo Azoloba Katumbi Aza à Kouki Kogéré. Politique et à gestion, il y a Katumbi là-bas. Parce que Katumbi, Tshisekedi ne peuvent même pas. Tu sais qu'on analyse, est-ce que Tshisekedi a mieux géré que les autres? Est-ce que Tshisekedi n'a. Mobutu a sali 32 ans. Et Kabila a sali 18 ans. Katumbi dans 12 ans, tu correctifies. 12 ans. Katumbi dans 4 ans. 12 ans. 15 moins 8 moins 12. 12 ans. Félix, a sali 2 ans. Ata yomoko, ce qui va passer, au cours de la comparaison, Nîmes, le temps même, sans même, on ne peut pas comparer ça, on ne peut pas. Non, mais est-ce que c'est un homme Katumbi Azaï qui est gouverneur et un simple gouverneur. Mais le président de la République a plein pouvoir. Binonde Botier n'a plateau à Wati. Bobito analysé pendant gestion à Yé, non? Le col à candidat. Ah oui, mais Bobito, le col à candidat, il n'est que candidat. Félix Tshisekedi a l'expérience déjà. Katumbi a été comme présidente. Il a été gouverneur. Gouverneur, il a été gouvernance. Il a une imperfection. Vous avez quand même peut-être sauté parce que il a une récitation. Il a une récitation. Récitation. Adresse à la nation. Il a une récitation. C'est une récitation. Comment ça? Il a une récitation. Et puis d'ailleurs, une récitation mal récitée. Katumbi n'arrive pas à lire. Il a fait peut-être durant un mois, en train de retenir ce qu'il devait dire à la. Bah, tu as bino le baga boué pour la Félix, pour la Kabila, oui, appelé ça bino pouvoir. Mais vous savez, madame, un homme d'État, c'est un monsieur qui doit dire des choses avec son cœur. Parce que l'État de la nation, notre pays, nécessite pas des discours. Notre pays, nous sommes arrivés à un niveau où on doit dire des choses qui viennent de là. Et combien de discours faites par Katumbi, le chef de l'État, oh, ma promesse est belle qu'on s'en mette. Non, d'abord pas ma promesse. Discours, oh, il y a des gens qui sont en Bujima, ils sont en Zoloba, ma Kabwa 5 ans. Ou mon qui est Moko Ndenga Zoloba, na Braza. Sans lire des choses qui viennent de son cœur devant toute une nation. Parce que Moutou Atanga, développement, loquacité, comme il parle avec précision, agencement, en tout cas, n'a pas licencié autre chose, n'a pas qui colvaté, on a un discours avec les étudiants, il est docteur qui a beaucoup étudié, il n'arrêtait pas à regarder le papier comme s'il était en train de danser. Maman, n'a pas dit, moi, n'a pas autre chose, n'a pas dit, bon, ça y est, je suis ça qu'il est. Asi ache mboka na rai. Ba opportuniste wana bazo ya wana parce que bazo konté bazo sa la différence bazo ko ko sa la différence te ya richesse na gestion ya. Merci beaucoup mon mboka campagne ça vraiment problème ça ma tata ming de ko joël qui tenge malo mboka yo candidature ya Moïse Katumbi est-ce candidature ko zo sérieux est-ce possible que Katumbi remporte les élections en 2023 na lobby impossible na lobby na yo. Ma question est bien d'abord les attendances. Je sais que vous êtes professionnel, vous avez vu ça là. Ce que vous comparez, gestion, au monde de Gorangaï à Mobali, il vous parle des entreprises privées. De celui-ci, que la gestion attend qu'un homme d'État, ou un dirigeant Tito Babengi province. La constitution à Bissot, c'est une entité de Babengi Namukuse ETD. À ce moment-là, il fallait que vous Fifi Masuka, aux yeux Moïse Katumbi, nous comparer Bango par la gestion en tant que gouverneur. Puisqu'ici,
Vous parlez de celui qui gère 145 territoires dans sa gestion, un pays sous-continent, et vous êtes en train d'analyser celui qui a géré, et je peux vous citer, l'ensemble du territoire du Katanga. Je l'ai toujours répété chaque jour devant la télévision, que moi je suis le pont réel du Katanga et du Kasaï. Pourquoi je dis le pont réel? Mon père Kasaïen, ma mère Lubalolo de Kabongo. Et je suis autant Katangais que Kasaïen également. Et j'ai vécu dans les deux entités, étudié dans les deux entités. Et je peux citer chaque territoire. Il y a espace Katanga, Kobanda, où est comme le Lolo Alaba, où est comme le Lolo Lomami, où est le Loza, au Katanga, Titanganika. C'est à ce niveau-là, nos côtés-là, où Fifi Masukasali, Nandambu, il y a province, il y a l'Alaba. Des infrastructures, du bâtiment public. Celui-ci en a laissé combien au Katanga dans sa généralité, puisqu'il y a Bandeko géré toute une entité, au découpé, il y a Bandazara qui n'a Mobimba. Rien de vieux bâtiments où il y a Tika, des bâtiments là qui est administration coloniale, qu'on a changé de peinture et de tôle et c'est resté en tant que tel. Il y a même des gens qui sont venus après lui, au Katanga déjà découpé, Tongi même dans le bâtiment public, il y a Sika. Celui-ci n'a réussi qu'à piller la province. A l'objet Lokomoko, vrai, mais dans le vrai là, il ne vous a pas dit ce que ça cache. Ben, investisseurs sud-africains ou tous les autres qui pouvaient. Bon, il n'y a pas que les sud-africains, ceux qui étaient en Afrique du Sud. Mm-hmm. Des Hollandais, des étrangers, des Belges, de toute nature. Au Basengila qui baya na Tangwana. Il y a quoi investir, il y a déjà 50% na kati ya gestion na benga qui langage économique exactement, capital à risque. Ça veut dire, du point de vue, il y a droit commercial congolais, tout ce que nous appelons les entreprises. Qui fonctionne tant dans le mining que dans le domaine séculier, dans n'importe quel domaine, il devient l'actionnaire à part entière. Et ici, tant que vous êtes à niveau à 50-50, n'est-ce pas? Non seulement qu'il leur donnait les 50% là, na liquide, il leur donnait le 25% liquide et le 25% en carré minier que lui offrait et donnait à ses sociétés. Un, il les a tous ravis par le procès et j'ai moi-même participé en tant qu'avocat dans 14 procès. Il y a Moïse Katumbi et ses associés. Et ça, on a la teki taba à Kangi Anyate le sous na Singaplace Kotoyo. Il les a fait tous faire faillite et il a récupéré une. Et comment il a changé les noms de ses sociétés, comment on les crée au Panama, comment on les crée à l'île Maurice, comment on les vend à l'île Maurice. Même quand tu parles de l'IMSEK, la vente de l'IMSEK, tant qu'on a la Nicotrans, on est allé vendre ça à l'île Maurice. Est-ce que capital d'affaires, cher? Je suis dans le contexte. Non, c'est pour ne pas payer l'impôt aux Congolais. C'est pour que l'argent n'entre pas dans les trésors publics. C'est un incivique. Je parle de la fiscalité. Je parle d'incivisme du point de vue de l'impôt, pas incivique. En Europe, pour être un candidat président de la République, un élément majeur, vous devez être en règle avec le fisc. Et celui qui s'arrange pour voler l'État, mais c'est un... Et quand vous comparez un gouverneur à celui qui gère l'État, le président de la République, vous trouvez que vous êtes en train de comparer ce qui doit être comparable ou comment? Dans sa gestion d'homme d'État, celui-ci n'a défendu rien. Dans sa gestion dans sa peau, et chacun de nous sait au moins, en tant que chef d'entreprise privé, on n'en fait pas débat de ses biens. On n'en fait pas débat de sa vie en tant qu'homme d'affaires. Encore moins quand nous entrons dans le domaine de fiscalité, de la légalité, de la manière dont ça se fait, il y a à mer et à boire. On ne fait pas débat dans ça. Puisque les hommes riches au Congo, il y en a. Il y en a. Puisque sur le Congo, on parle qu'il y a des hommes riches, mais nous n'avons pas de banques congolaises. Nous n'avons pas de banques congolaises. Et si un homme riche pouvait même mettre une banque en place,
Et s'ils ne le font pas, puisqu'ils n'en ont pas. Ce sont Merci des pauvres, beaucoup. De manière générale, de manière générale. Et quand quelqu'un m'a dit ça dans un plateau, ce n'est pas lui. Quelqu'un m'a dit, non, Osa est gris, pas Osa riche, et Osa pauvre. Non, 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 je suis riche également dans mon domaine. Donne une tose à Moïse Katumbi, ramène-lui dans un tribunal s'il va commencer par où. Autant que si j'achète une parcelle, je suis idiot et inintelligent devant un architecte. Lequel de domaine où quelqu'un peut dire je suis riche dans tout le domaine? Il peut prendre aussi une tose, j'allais faire ce que j'ai fait. Merci beaucoup, maître. Il y a aussi d'autres domaines que moi aussi j'y vais, je n'y ferai pas. Il n'y a pas une question de dire la sandale, richesse. Non, non, ne ramenons pas un débat politique à l'argent. Et c'est comme ça que le parti politique lui-même ensemble est créé comme un mercato du championnat politique. On achète, qui ça? Le fils est à Ovier qui était ministre de la Défense, là, Inadef. Mwando. On achète un bien familial qu'on appelle Inadef, et lui-même et tout le membre de la famille, on les achète. On achète Arc et d'Olivier Kamitatu, et lui et tous les membres, et le bien, le son, on les achète. Et l'ensemble est la somme des gens qui ont accepté vendre leur vie et leur parti politique. Voilà. C'est ça l'ensemble. Merci beaucoup, maître. Et cet achat n'a que 2 ans d'existence. On parle des partis politiques, on parle des individus qui sont venus avec leurs membres pour créer un parti politique. Et je peux vous parler, Bolingeteng était avec quel parti? Lutundul avec quel parti? Tout, c'est l'ensemble de certains présidents des partis politiques. Et qui sont venus avec les partis, ils ont mis en commun, et comment ils les achètent? Il n'y a rien de conviction. Ce n'est pas moi, c'est Moulongo, madame. À des fois, on dit qu'il a des problèmes. Et de tout ça, ben je ne suis pas médecin, je ne suis pas entré dans ce domaine. J'ai dit, je ne suis pas médecin. Elle a dit, non, les audios circulent. Vous voulez que j'ai dit, je ne suis pas médecin, je n'entre pas. Des fois, on dit, ne me faites pas dire des choses. Merci beaucoup, maître Joël Kitenge. Merci beaucoup, madame Boka. Tozo Kenen Asuka, émission Nabiso. Parce que là, on dit, réalisez un débat politique. Réalisez un débat politique. Mais on a vu, tu sais que dit, pour Congolais, mon côté, on peut voter au Tali Mbounzoam. Au voter, au talier ce que nous vous disons. Et là où Noël Tchania a réussi, c'est d'avoir fait adopter une sentence populaire par l'initiative des pères et des mères. Et c'est cela, c'est vote. Et c'est votre discours. Nous ne voterons pas un petit-fils de blanc. Je le répète d'ici sur ce plateau, nous ne voterons pas un étranger. Je ne connais pas son parent. J'insiste et je le répète que nous ne voterons pas. C'est mon discours et je le tiendrai devant. Très bien, merci beaucoup, Mwanambo Kandeko, To Zongenayo, Mwanambo Kadamia, Terra Nova. On a rappelé à Ozak Mokoya Lisanga, association des Katumbistes. Vous allez soutenir la candidature de Moïse Katumbi. Selon un sondage réalisé dans Grand Teil, vous allez attribuer 77% de vote. Na Félix Tshisekedi, 12%. Ma Katumbi, Moïse Katumbi, 7%. Na Martin Fayolpe, 3%. Na Denis Mukwege. Comment est-ce que vous réagissez? Ben, merci beaucoup, madame. Nous savons comment ça se passe, ce genre de sondage. Et nous n'en avons pas peur. Bah, puis c'est à ça. Et l'eau que l'Obama, il y a une urne. Vous voyez, c'est lorsque nous irons aux élections que cette fois-ci, ou comme toujours, hein, là, toujours dans le Congolais, au moni, je me suis dit, on a un plateau de Sangabi. Non, non, ceux qui sont populaires sous le terrain, ce ne sont toujours pas eux qui gagnent les élections. Naebi Sagabi au Kossi. Vous comprenez? Ce qui est okay, na historique, il y a ba élection. En 2006, Jean-Pierre Bemba était populaire. Sur terrain et dans les urnes. A gagné qui ba élection. Toke na 2011, quand Étienne Tshisekedi, il était populaire sur terrain et dans les urnes. Il avait gagné les élections. Toye na 2018, Moïse Katumbi a parrainé Martin Fayoulou. Populaire na terrain, populaire na ba urne. Il a gagné les élections. Les mêmes qui nous a volé les élections en 2006. Il nous a volé l'électorat, je veux dire, en 2006. Il nous a volé l'électorat en 2011. Il nous l'a volé en 2018. Na lobango toujours. Biso ba congolais toi ba intellectuel. Il faut qu'il y ait des vérités intellectuelles où il faut que en face pour que l'obéison aille sauter. Na lobango, ma kamo yo to connaître na ba électorat ou na ba élection ou yo to leka,
biso ba oyo lokola ba maître qui tengio ba kenda 5 ans à université lokola ba ndeko jeto ba kenda ba 5 ans à université un grand économiste tel qu'il est là un banquier na ba biso ba homme d'affaires ya mboko yo il faut to combattre médiocrité wana ya koloba te muto kende ke élection a gagné te mais parce qu'il y a un plus fort qui a les armes à imposer muto mo boye pour biso to ndimae biso ba intellectuel toza na charge wana ya ko dénoncer ke loko wana oyebi na mboko yo madame. Moi, j'ai pensé qu'il y aura des gens intelligents. Et bah, côté les Melalikamboyo, Moïse Katou m'était d'accord. Je lui avais dit, président Azad, d'accord, on a ôté. Moi, j'étais contre Moïse Katou à côté Union Sacrée. Aïe bien, on te solo là, on a un salon. J'étais contre. Tu ne peux pas cautionner ça. Kabila vient de nous faire un troisième pelnati. De ton compte, Dimangote. Abinte. Félix, c'est une bonne type personne. Toti Kekaka qui est détruit, tout. Bref, je ne veux pas entrer là-dedans. Voilà ce que nous avions connu pendant 5 ans, aujourd'hui 4 ans. Bandeko Bazo Pé, c'est Kaka 2 ans. 2 ans, Moussou Bazo Pé, on a Covid. Même Covid, wana maman. Baza wana, ba juriste, wana, ba économiste. Bato, ba sala na Covid, wana, mbon, na bangwe kendapi. Ete na ki a beti tour na prison, et puis a bimi, ba blanchirie. Mbon, wana, ba pesa pour na gestion ya Covid, wana kendapi. Ba pesa biso explication. Monsieur Félix, c'est qu'il y a sali 5 ans. Il n'a pas appelé Nandeko. Parce qu'à l'Obino, je suis à Katumbi, à Zaki province, au comparé, na Fifi Masuka. Mais puis à l'Obi bien. Katumbi gérait la grande Katanga qui est sa Katanga natale. La grande Katanga. Mais Fifi Masuka gère une portion. Mais si tu peux comparer, parce que oh, Zaki n'a pas mon nez. Tu as dit que tu ouais, la Guinée, moi, on y a Sofifi à Tongi, Zali, ma projet, papa Mouyej, Neko Mouyej, Atika. Il y a un mois qu'on réalise, le quoi, Zaki? Même si Mouyej, on peut le réaliser. Et puis, bâtiment, on est abonné. Et ça, il y a un peu de temps, 1, 2, 3. Babalaba, et Sili. Il y a un peu de temps, il y a un débat, moi, dernièrement, Babalaba, qui est dans la ville, il y a Kolwezi. Et il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, qui est dans la ville de Kolwezi. Mais pour quitter la ville de Kolwezi pour aller à Mouchacha, il n'y a pas de route. Et il y a un pont qui vient de tomber. Vous devez être au courant. Le pont est tombé. Pourquoi? À cause de la vétusté. Donc, si il faut que tu na kati ya bozindo ya fifi masuka, na banzi qu'il y a à boire et à manger comme le frère l'avait dit. Tokamati Moïse Katumbi, vecteur Félix, tu sais qu'il dit. Moi, j'aimerais qu'on dise qui est capable de faire quoi et qui n'est pas capable de faire quoi. C'est ainsi que toza ko relevé ba oyo Moïse Katumbi déjà d'avant azaki capable à ko réaliser. Oyo ekoki ko sunga bana mboka que nakati ya kotala makambu. Il faut botala nani oyo azaka na capacité ya ko travailler et qu'est-ce qu'il a déjà produit avant à comme président de la République. Je vais chuter madame en disant ceci. Tozo ke ne maponomi. D'ici 15 quelques jours, la campagne va commencer. Na ko senga na Congolais nyonso. Alongwa na kati ya médiocrité oyo bako baluka ko imposer biso soi-disant des pères et des mères. C'est une médiocrité. Ça n'a pas preuve, ça n'a pas fait de bonnes preuves ailleurs. Et je pense que si nous prenons des gens capables qui peuvent gérer ces pays et nous sortir de cette pauvreté. Au moins une des causes et tout. Quand tu lui poses la question de la panier des ménageurs du chef de l'État, Azate, il comprend que le dollar aujourd'hui, madame, aujourd'hui j'ai changé, hein, parce que j'ai connu une panne de véhicule en venant, j'ai changé le dollar à 26. Pour nazwa moto, na tamouille na moto, pour nzele Azate. Banda y peine ti villa ou asori na ikout na moutou kanangana comme arrêta. Mais, na lungwe na y peine na kamati moto. Embouteillage dans le monde, on peut s'imbouer. Mais c'est une conjoncture, ça, mon kilimo bimba, pas problème. Cassité, maman, mon kilimo bimba, conjoncture, jamais ça la facile, bah, ekosomi, c'est baye bien, mou. Jamais ça la facile depuis mon kili, ça la mon kili. Mais y'a quand même un batou, bah, porte à ka innovation. Na maye, léo. Y'a le quoi, nzela, embouteillage, aux ana volant. Au tabi, on te, et reçoit dans une gouma. Ngouma est embouteillé. Il faut que nous il faut que nous soyons ou bien nous 80 jours. Bon, ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait pas yo. Vous avez fait Google, vous avez fait trajet. Ngouma. Hein? Pour nous avoir un magasin.
au moins na ba 7 heures na longwa ka moni la singa rouge okunate na zui 80 jours la singa rouge okunate na zui selembao la singa moi portion moko boya muke ya rouge ngabite na wela na nuana ta musu ngapena okoma ezo pusana ozomona allez na bimi c'est comme ça qu'un chef d'état avec son gouvernement gère un pays ezali le quoi boussole. Donc je rends si à Félix Tshisekedi c'est notre ezali chaotique. Oyo ba congolais ba ko retenir na gérance ya monsieur Félix Tshisekedi ezali loko moko ya mutuya oyo congolais nyo se faut pas bosser na tanga aucune élection. Détournement sur détournement. Nanu na monate il est pas le gangaka biso ba malheur à nous passe na biso. To ka moizi mabutu muyibi mabutu muyibi mettez ko apprendre sikoyo le vol à ciel ouvert maman. Ba yibi biso 420 millions ya ram. Bandeko bazawa na ba juriste na ba économiste bazawa ba koki koloba yango te. Ba yibi biso lelo yo 324 millions ya francophonie. Oyo ministre ya ya finance. Na mo organisateur ya jeu de francophonie. Bazo yo kanana ba chiffre te. Merci beaucoup. Oyo alobi si vous maman, tika kanana sa baba na mboka. Il faut ils ont que la baba na mutu. Na lobi boye. Ministre alobi j'ai décaissé 324. Oh y a lobi ngai nekutu ya liboso na salaire za 30. Puis j'ai reçu que 73 albaki 60 000 euros. C'est tout ce que j'ai reçu. Sikoyo entre 60 000 euros et 324. Oh nyo ce tikalo neke. Pour hier ministre de Kesaki. Achaki mukoloto mbongo bimaki mais mbongo neke. Tam so bande wa koyo so place mbongo kendeki. Nous sommes nini, moyibi na moyibi. Merci beaucoup. Ok, oui. Maman, c'est là qu'on va souka. Route elenge ça. On dit que la route ouana mbogo bimi mba sambo. Nzela ou ben moko. Mba sambo. Yo moko outi na speech na yawa. Financement du gouvernement provincial de Kinshasa. S'il vous plaît. Notez ça. S'il vous plaît. C'est pour gentil. S'il vous plaît. Financement du gouvernement provincial. Non, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Kazadi a dit que sur cette route là, nani financement provincial ebima balia et ekobima mususu siko ya gouvernement ya gouvernement national. C'est pourquoi cette route là a été retardée d'inauguration parce que bazakulu kaba yeba nakati lelo yo nakala mambuji na mboka na biso na mambuji mai ba pesi mbongo ba aboni po ba sa route wana ye moko chef de l'état samburuba na route wana abije de kesse e bandaki na 24 millions ebima ki ba osala. Merci beaucoup. Bah bon monyo c'est bima pour l'anzela on a tiré le samaté. Toquez sous barrage katende. Madame, les Congolais si kabozali, boza na diaspora, boza na kata mokoyo. Bota la gestion y a Monsieur Félix Tshisekedi ezali chaotique. Et puis bon sanctionner en haut le jour que nous serons dans les urnes. Bande konye baza on a évité ce bah qu'on défend en haut même le plus grand avocat que nous avons ici qui est Monsieur Kitenge a qu'on défend le Félix c'était Namakamoyo. Merci beaucoup, Ndeko. J'ai tout aussi, Sanayo. Votre mot de la fin, toi aussi, c'est Michel. Michel, comme déjà, Nasuka. Donc, on a déjà parlé. Oui, oui, c'est donc, c'est son maître. Il y a un peu de temps pour Nasuka, et ça dit que niveau y a pas débat où on a linga kayango penda oité où y a cartoon bien ça là qui boya c'est que ça c'est boy na linga kaba débat local là sur le plan sécuritaire. Qu'est-ce que nous proposons, la nouvelle classe, pour proposer une pour guerre en exil. Sur le plan économique, la nouvelle génération, pour proposer une. Je comprends encore bien Félix Tshisekedi Azawana, Ndenga va travailler. Au moins, il est. Katumbi, il vient de. Il n'a encore rien fait. Non, il va corriger. Pour le moment, de tout ça. Il va le corriger. Pour le moment, Ndenga tout ça. Bisho va capable. N'est-il le Kolangai candidat député national dans la circonscription de Lukunga, le numéro 34. Non, non, ne citez pas le numéro. Bon. Ne citez pas le numéro. Campagne dans les bandits. Nalinga n'a se présenté. Nasali, Nalobi voté. Tete. Nalobi Kaka n'a se présenté. Tete. On a sali encore demain. Bon. Bako sanctionné. Bisho ba capable. Bisho ba capable. Oui, oui. Bisho ba capable. Ndenge Toyeboy. Tomi Benga ba capable. Bisho ba toi de quoi les airs. Toujours y a un changement à classe politique. Tongi Kosa là. Au moins les professeurs n'y sont pas basés dans Mboka Oyo. Ce qu'on t'a dit bien, on a comprendre que tous ces professeurs là ont fait du plagiat. Bah plagier, parce que un professeur a six classes dans l'économie, mais regarde l'économie du pays. A pratiquer économie, t'as quelque chose à théorie. Bisho bah capable, t'osali koyana le pouvoir de l'amour.
et non l'amour du pouvoir. Très bien. Merci beaucoup, moi, Lambo Kandeko. Joël Kitenge, Maloba Souka et Panayo. Maloba Souka, ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit 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 que j'ai dit, je me fonde sur les rapports de l'IGF, de la Cour des comptes et de la CNRF. C'est un rapport qui est copié dans Yango. Il n'a jamais contesté. C'est un rapport. Et ça fait foi. Mais à la justice de faire son travail. Alors, exact. Donc, dans le la censure, jusqu'après vous le comptez, il y a un comme Bella. Mais Erazo Bella a présenté un livre dans l'IPC, mais à malhabité. Et tout le monde comprend que c'est un bon Bukangalonzo Yangoa. Ma tata lobi, j'ai un rêve. Et nous savons tous les noms qu'il a cités à Barev Azarakinango. Tout de suite, Azu étudiant, Nani Katumbi, a répété le mot, ces phrases de ma tata. Attends, je vais t'applaudir vite, vite, boy. Et ça Et le quoi, Souka, Mbongo Oyo, il y a francophonie. Nicolas Kazadi, il y a ce que nous appelons en politique. On peut être, il y a ce bah, technocrate, ils appellent bah, politicien fait. Ils appellent M. Souzan, on peut mailler, mais bah, capacité communicationnelle, il y a coûté. Dans la francophonie, il y a trois facteurs importants. Et je n'encourage pas, moi, je vais retourner. Vous connaissez ma position et tout le monde sait. Moi, je peux tirer sur qui est avec nous. Et tout le monde sait ma position dans la Nantima. Pour qu'on ait des exactement. Papa, ils ont un côté infrastructure et il y a eu le fonds, il y a organisation des jeux. Le jeu devait s'organiser dans les infrastructures qui sont été faites et lesquelles infrastructures n'étaient pas dans la gestion. Il y a coordonnateur, il y a qu'est-ce qu'on appelle Kwanza, dirigeant en francophonie. Il faut préciser, être clair, il y a Obi Mana Place Publique au moyen de Gonao, lui attribuer la charge. Il y a une entreprise de construction, Bazoa qui va charger à Kotonga à Bahom, Kotonga à Tata Raphaël, à Martyr, qui c'est un budget, mais ça peut aller dans la chaîne. Mais comme rubrique générale, les Akara francophonie, il dit, mais quand vous dites l'organisation de G224, vous n'avez pas été précis en communiquant. Celui-ci dit, j'ai reçu 66,9 millions pour l'organisation des jeux. Et notons qu'il y a tout oyo, tout tirana katisuka, dont un certain DJ Chiyoyo, au balia kambongo à francophonie. Est-ce que dans ces 324, fait-il état naboba ibaka avant Kwanza aya? Ou bien il parle seulement de Kwanza? C'est quoi? Ce que vous précisez dans la communication pareille et qui prête confusion est. Ça paraît une accusation contre l'autre, et l'autre dit, en appel, il appelle l'IGF. Moi, je crois que Nicolas doit vérifier et refaire sa méthodologie de communication. Mais, nous avons besoin de la vérité sur cette histoire. Kwanza cite, lui, il dit, la justice doit enquêter pour qu'on sache. Très bien. Mais dans la vérité, la communication doit être précise. Puisque c'est à côté, pour la Kotonga, pour la Kosal, et les infrastructures sont là. Ce n'est pas une perte. Puisque si l'argent préfabriqué. Peu importe, mais c'est déjà une dépense. Je suis un homme d'affaires, mais c'est une dépense. Pour son baba, fibre, botia. Et ça dépense. Bongo Kobima. Ba restauration ndenge ya ki bambi lance madani ba hôtel et il y a eu beaucoup de rubriques dans cette histoire. Très bien, merci. Seul connaît et puis quand vous venez dans la place publique au loba que non dépense telle et bande ko bima atuna ki qu'est-ce qu'on appelle conseil azalaki na bangote et qui était hors ba rubrique azalaki prévu. Comment entre zoro ko bimisa mbongo za na kati ya rubrique na la libellé à Ouzala qui prévite, vous les avez sortis comment? Merci beaucoup, maître Joël qui c'est quoi cette histoire venir à place publique? Non, nous n'encourage pas ça. Nicolas doit revoir ça. S'il a bouffé à lui, c'est dans la justice qui n'a qu'à répondre. Ça n'engage personne. Merci beaucoup. Ils vont me trouver en toi répondre, n'a pas acte naïe. Mais sous le régime de Fatih, côté en Abila. Na lobby naïe, hein, sous le régime de Fatih, on a vu des infractions et maintenant ils sont dans la place publique. Et nous avons vu également des procès et de la répression. Très bien, merci. Et dans la gestion, il y a 18 ans, il y a 12, il y a 7 ou il y a 8 ans que vous parlez de Kabila à Katumbi, c'était une gestion à gabegie, impunité,
laxisme lié à yo ibana soki ba crio ba changer au poste so ba crio koto ba changer au poste ba nommer hier c'était comme ça on a directeur de cabinet à quel pendant Brazzaville la quali bino 32 millions merci beaucoup maître mais non, maître, c'est la fin de la maître s'il vous plaît madame je vais juste dire à maître quelque chose maître Zalapé comment dire honnêteté il y a Koloba il y a eu des procès publics et juste après Mokonzi Nabino a dédouané Batouana. Non, non, justice. Non. Justice. La séparation de pouvoir. Ba procès Oyo Kabila il fallait qu'il dédouane, il fallait qu'il zalanan tout monango. Ezalaka. Merci beaucoup. Mais ta procès là qu'a terre pour qu'a terre le goûter seulement. Je ne suis pas kabiliste mais merci beaucoup. Mais on se bozala qui te pas se connaît. Son bozala de Katumbi il était. Merci beaucoup de quoi. Et il est soutenu par Kabila maintenant. C'est la fin de l'émission, on se retrouve. Non mais c'est Kabila qui vous a donné le pouvoir. Soyez reconnaissant. Simplement plaisir. Bon reconnaître encore quand même.